She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me cold, I thought she was a... Comment tu trouves? Je suis en train de goûter le coq pour la première fois. Pourquoi tu poses? Hello, hello la famille, bienvenue sur vos coupages Buzz Promas, vos coupages qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Ici, nous sommes spécialisés dans le Japon des stars en Afrique et de par le monde entier. Nous avons tous vu la vidéo ensemble du chéri, du pain croustillant de Tiana Koulibaly, Noé Picré, en queue de bouder le célèbre au coq sucré du continent. Ça, c'est pas croyable, ça. Noé, tu boudes le coq et tu peux venir en mariage au Cameroun. Non, on ne peut pas. Ça, c'est impardonnable, tu vois. C'est surtout sa mine qui me fait rire. La façon dont il arrête le bâton, il met dans le coq et tout. Ce n'est pas du tout évident. Vous savez, le coq, c'est un plat traditionnel du centre du Cameroun. On le prépare beaucoup plus chez les Bétis, précisément les Étones, la tribu des Étones. Et... en fait, c'est un plat qui fait l'unanimité au Cameroun. On l'aime partout. Que ce soit les Beti, les Sawa et tout et tout. Tout le monde le mange avec plaisir. Tout le monde aime le coq. Et c'est comme le ndolé ici au Cameroun. Tu peux pas parler du Cameroun sans parler du ndolé, sans parler du coq, sans parler du mbongo. En fait, on a quand même les plats phares, quoi, les mets phares. Que non, si tu boudes, ça va dire que non, on t'accepte pas. Mais bon, vous savez que c'est pas tout le monde qui va forcément aimer ce que nous on aime. C'est pas aussi facile, c'est un Ivoirien, il faut s'adapter et tout. C'est comme aussi, nous on peut passer là-bas. Je pense même qu'il y a aussi peut-être les Ivoiriens qui n'aiment pas la tchéké, qui n'aiment pas le plat Kali, le garba. Donc à chacun son point de vue. Au fur et à mesure que le temps va passer, il va s'habituer. Parce que je pense que c'est déjà le plat préféré plutôt de sa chérie, Tiana Koulibaly. Et peut-être... ça n'a pas été aussi bien fait, ça n'a pas été aussi bien fait, c'est aussi ça. Parce que tu peux goûter un truc pour la première fois et quand ce n'est pas bien fait, ça ne t'encourage pas. Et le nez là, vraiment, la présentation, vous savez, il y a les feuilles, les arachides, les noix, c'est un peu compact d'un jala, c'est pas facile dès le début. Mais à la longue, non, quand tu prends goût, le coq, c'est le coq royal. Pour moi, c'est la plus bonne nourriture, c'est l'une des plus bonnes nourritures, quoi, du pays, hein. Après le héros, bien sûr. Quand tu arrives au Cameroun, si tu goûtes pas le héros, le ndolé, le coq, c'est que... c'est que tu n'es vraiment pas venu au Cameroun, hein. Donc c'est un peu ça. Noé, tu vas t'habituer, tu es déjà dans le continent, tu es déjà avec une fille du continent, tu es obligé de t'habituer, c'est ça. Les débuts ne sont pas faciles, mais ça va aller, ça va aller. J'aime bien leur complicité, je vous assure, ils sont vraiment très très bons ensemble, ils s'entendent bien, on sent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il y a le mood, il y a l'amour. Je voyais un direct deux dernièrement, la façon dont Diana regarde Noé, non, hey, yeah, tu sens qu'elle dans le love jusqu'à ce n'est pas bien. Et il faut noter qu'ils sont en couple depuis 3 ans déjà de relation à distance. Ils se sont rencontrés pour la première fois à Paris, ça n'a pas du tout été facile. Mais les voir ici quand même, ça fait aussi du bien. Les gens disent que, oh, Diana, tu pourrais pas épouser un sugar daddy et tout. Non, laissez ça, chacun ses goûts, c'est pas tout le monde qui aime les vieux. Le problème, c'est que la tendance en Afrique maintenant, dès que tu es une influenceuse, tu dois chercher un sugar daddy qui va te sponsoriser et tout. C'est pas tout le monde qui supporte cette vie-là. À chacun ses goûts, à chacun ses choix. Et je pense que tout le monde doit respecter le choix de l'autre. C'est pas parce qu'elle est une influenceuse, ce n'est pas parce que elle a aussi le droit d'être heureuse là où elle veut, là où elle aime. Il faut qu'on arrête un peu les préjugés à deux balles. Parce que c'est même ça même qui décrit les réseaux sociaux. Moi, je suis fière de les voir ensemble. C'est un très très beau couple. J'espère qu'ils iront très loin. Comme ils ont fait 3 ensemble, là, ils vont manquer, nous ajouter même plus fois 10, ça va faire 30 ans. Pourquoi ne pas avoir 2 belles personnes ensemble, jeunes, évoluer et aller loin? C'est vraiment penser au matérialisme tout le temps, c'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Diana, tu as tout mon soutien. J'aime beaucoup votre couple et ça va aller. Comme je disais tantôt, Noé, tu as t'habitué au nourriture du continent. Quand on vient prendre une fille du continent, c'est que si tu vas t'habituer à manger, on a tellement de bons plats. Donc même si le coq, tu n'aimes pas, tu aimes beaucoup d'eau. Le Cameroun a quand même 276 ethnies et il y a tellement de plats, il y a les variétés. Tu vas te reconnaître dans l'un d'eux. Donc ça va aller.
Bon, la famille, c'était juste mon point de vue par rapport à cette petite vidéo de Noé qui ne m'a pas laissé indifférente. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page et qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes les meilleurs. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.